Aujourd'hui, les gars, compte Xbox. On a fait fut de champion. Je vous avais dit qu'on ferait fut de champion plus ou moins sérieusement parce que oui, on avait Messi, Totti à tester, Cherki. Et dernièrement, on a packé un héros pas mal du tout que je voulais tester. Du coup, ben, on a fait rang 3. Voilà, on a fait 16. Par contre, les gars, on a joué 3 bots à la suite. J'ai jamais vu ça. Du coup, juste après, j'ai coupé le crossplay. C'est juste pas possible. J'ai pété les plombs, les gars. Premier match, je l'ai perdu. Deuxième, j'ai réussi à gagner le bot. Je vous mettrai dans la vidéo le gameplay. Du coup, on aura de bonnes récompenses. Et peut-être qu'en plus, les gars, on aura un pack icône 89+. Prime, je crois, et Coupe du Monde. Donc ça, faut voir. Mais en tout cas, on a un joli petit programme. C'est parti. T'as envie de te régaler sur FUT et de te payer tes joueurs préférés? Alors, je te conseille d'aller check IG Vote. Tous les liens et les réductions sont en description. Et oui, l'équipe, vous l'avez devant vos yeux. Et du coup, Smolarek qu'on a packé dernièrement dans le choix héros. Et waouh, il est exceptionnel. Il est vraiment très fort. Et ça se rapproche de Butra Gueño, pour ceux qui veulent savoir. C'est vraiment la copie de Butra avec juste une étoile Noé Pio en moins. Très fort. Il y en a beaucoup qui vont me demander ce que vaut Cherki. Bah écoutez, il est surcoté. C'est vraiment le mot. Hein. Il est bon, hein. Il est pas mauvais. On a quand même un bon bilan avec lui. Mais jamais il vaut ce prix-là. Bon, nous, on l'a packé, on a de la chance ici sur ce compte. Mais il est très, très surcoté. Il est pas mauvais, mais on dirait une petite bouboule un peu sur le terrain. Enfin, je sais pas comment dire, mais il est un peu lent. Il est un peu lent. Et il va pas être aussi tranchant, percutant qu'Mbappé, Messi et Smolarek. D'ailleurs, au passage, Messi, c'est clairement le meilleur joueur que j'ai jamais testé. Même si le bilan est pas fou, on l'a joué NC, voilà, en 4-3-2-1, du coup il est un peu plus reculé, très fort quand même, mais sinon le reste de l'équipe, bah voilà, c'est bien, hein. De toute façon c'est une très belle équipe, hein. Elle aide beaucoup à jouer, elle donne envie, et du coup on a fait 16 les gars, je vais vous mettre un peu de gameplay pour vous YouTube. C'est un bot? C'est un bot? Mais vas-y, ça fait le deuxième ce week-end. Vraiment, le jeu est insupportable. Qu'est-ce que tu veux que je joue? Qu'est-ce que tu veux que je joue contre un bot, sérieux? Oh, c'est une honte, sans déconner. C'est une honte, quoi. Je peux rien faire, c'est injouable. C'est injouable, c'est injouable, c'est trop fort. C'est trop fort l'ordi en ultime, tu peux pas lutter. C'est vraiment décourageant. Qu'est-ce que tu veux jouer en fait? Là, c'est une défaite que je dois jamais prendre. Hein. Juste, je la prends parce que c'est le mec qui fait jouer l'ordi, c'est tout. Hein. A few minutes later. C'en est encore un? Mais je vais péter un câble, c'est encore un bot que je suis en train d'affronter. Ça fait deux de suite? Je peux rien faire, vas-y, c'est quoi? Deux à la suite? Putain, mais comment c'est possible? Putain, mais j'ai juste pas de bol, en fait. C'est vraiment une purée de honte, hein. Putain, mais c'est honteux, mon gars. J'ai pas les mots, hein. Franchement, la fils de puterie des mecs pour un jeu vidéo, ça devient extrêmement grave, quand même. Putain, j'arrive pas, hein, j'arrive pas, parce que chaque fois, ils sont bien placés, ces connards. Mais non, mais il cadre même pas. Mais putain, je te dis, en plus de ça, il réduit les stats de mes joueurs. Les tricheurs de merde, quoi. Apparemment, faut faire tourner, ouais. Honnêtement, j'ai limite envie de jouer mon jeu, hein, mais bon, vas-y, hein, franchement, je... Ah,
Le gros tas de merde, mais il a pas honte, sérieux. Allez, dégage. Dégage. En plus, ça lui compte une défaite. Non, peut-être même pas, parce que je crois que les mecs qui trichent, ils peuvent carrément quitter un match, ça compte rien. C'est comme s'il avait pas joué. C'est la honte, mon gars. C'est la honte. Bah merci. Eh bravo, pire week-end. J'ai réussi à faire 16 victoires en jouant 3 bots quand même. 16 victoires en jouant 3 bots. Les mecs, on est parti, du coup on a les récompenses. On va ouvrir les rouges dans un premier temps. En tête d'affiche, on a Hakimi, Coman, on a Navas aussi. Bon allez les gars, on est parti du coup, les cartes rouges. On va ouvrir la 3 pour commencer. Allez en avant, c'est parti, let's go. Ah ouais, c'est bien naze hein. On va prendre la mieux notée et ça va être Rajkovic, les mecs. On peut pas faire pire dans le numéro 1, regardez. C'est parti, numéro 1. Voilà, c'est pas mal. On va avoir la board. Et Brandt, on va prendre la board. Bon, c'est un peu mieux, hein. Ça monte crescendo. Et du coup, la dernière carte rouge, allez, une petite note, ça serait bien. Allez. Ouais, ok, bon, Acerbi 85, on est sur du full 85, là. Sur les deux derniers. On va dire que ça passe quand même, des petits 85. Bon, on a ça maintenant. Elle serait la bienvenue, la petite future star, les gars. Allez, il y a la mini-release en plus qui est sortie, avec des cartes sympathiques. On est parti pour le numéro 3 eSport. Allez. Oh, il n'y a pas de future star. Quoi? J'ai fait 16 victoires quand même, là. Allô? Allô? Attends. Allô? Oui, bande de fils de p***. J'ai fait 16 victoires, c'est une honte. Numéro 1, du coup? Allez, je te fais confiance. Ah oui! Bravo! C'est pas mal! C'est bien! En plus, Meslier. Bon, Meslier. On va bien le prononcer. Alors, j'aurais adoré l'avoir sur Play. Parce qu'il rentre dans ma team. Mais là, bon, on a Van der Sar. Allez, une note là, ça serait bien pour le Pakiko. On en a grandement besoin, les gars. Allez, let's go, c'est parti. Oh oui! Ah bah voilà, deux. Putain, mais c'est pas mal, hein. Vinicius Souza, les gars. Deux à la suite. Putain, on est sur Xbox, on est bien. On va y rester, les mecs, je crois, sur Xbox, hein. Ce même ça, tu vois, je suis content sur Play. Hein. Le pack icône, il est là, les mecs. Renfort icône Prime ou FIFA World Cup 89+. Évidemment qu'on va le faire, les mecs. Dernier défi, pack icône 89+. Est-ce que c'est worth 500 000 crédits, il vaut, hein. Attention, c'est pas donné. Hein. Ils veulent vraiment vous vider vos clubs. Hein. Moi, j'ai tout passé. J'ai plus rien. C'est le compte Xbox, au passage. Du coup, on va bien voir. Hein. On avait dit qu'on le tenterait, donc on le tente. Texte statistique, les gars. Ça a été voté dans le chat. Vous êtes... responsable, c'est de votre faute, hein, vous avez voté pour ça. Allez, il est là, il est plus là, il est là, il est plus là. Les mecs, on est parti. Pack icône 89+, sur le compte Xbox. C'est ouvert, les gars, vous avez entendu. J'ai appuyé sur le bouton. Waouh, l'endurance de fou. 94 d'endurance, les gars. Ouais, j'aime bien pour l'instant, j'aime bien. 64, ah, j'ai peur. Ça, c'est Seedorf ou Pirlo à tous les coups. Mais qui c'est, celui-là? C'est pas... C'est de la merde, non? C'est pas Coman, ça? Non, Coman a plus en défense. Passe 91. Tire 87. Et vous savez quoi, les gars? C'est une victoire. Parce que moi, au moins, je serais capable de faire 16 victoires avec Scholes. Le mec, vraiment, sa carte, elle a... J'ai vraiment... Je pense que les mecs qui ont fait les stats de Scholes, ils étaient drogués. Ils lui ont pas mis d'agilité. En dribble, il est qu'à 75, tout le reste, c'est bien. Il est tout petit, putain, mais pourtant, il devrait être agile avec une taille pareille. Là, vraiment, avec ce que j'ai eu dernièrement, ça vous montre qu'un peu, voilà, on n'a pas que de la chance. Mais c'est dommage, parce que vraiment, si on pouvait le caler, on l'aurait calé. Je l'aurais testé, on s'en fout sur ce compte, on est là pour rigoler. Mais c'est dommage, ce mes deux anglais, là, ils sont qu'à 1. Sinon, on peut tester, hein, les gars. Moi, je m'en fous, vous savez, j'aime bien tester. Hein. Ça vous montre, les gars, qu'on peut pas tout le temps avoir de la chance. C'est pas grave, vraiment, tant pis.
On l'aura ouvert, on aura essayé. Tout ce qu'il y a de sûr, les gars, c'est que je l'ouvrirai pas sur Play. Trop cher et j'ai trop d'icônes sur Play et c'est pas forcément ce que je recherche. J'espère que vous allez avoir de la chance, les gars, dans les vôtres si vous n'avez pas ouvert. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous avez eu dans les commentaires YouTube. On est intéressés, ça nous intéresse de voir un petit peu. Les mecs, moi, je vais vous laisser là-dessus en vous souhaitant du coup une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite. Ciao, ciao.